Bonjour, bienvenue à tous. C'est la deuxième édition du festival Effraction et nous poursuivons ce cycle de rencontres avec, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Marin, bonjour. Bonjour. Et Camille Reynaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Camille Reynaud, et par endroits, ça fait des nœuds, vient de paraître aux éditions Autrement. C'est le récit que vous avez construit à partir de votre rupture d'anévrisme survenue en 2017. Vous aviez 22 ans. Mais c'est aussi un récit que vous avez construit à partir de toutes les ressources littéraires, artistiques, scientifiques et même lexicales qui vous ont aidé à détricoter en quelque sorte ce nœud qui s'était formé dans votre cerveau et qui a bouleversé votre existence. Je précise d'emblée que malgré ce sujet qui peut paraître a priori difficile, Camille Reynaud, votre livre est plein d'humour et il fait preuve d'une maturité remarquable puisque je rappelle quand même que vous avez aujourd'hui 26 ou peut-être 27, 26 ans. Claire Marin, bienvenue. Vous êtes philosophe, essayiste. Vous enseignez la philosophie en classe préparatoire. Vous êtes aussi l'autrice de plusieurs ouvrages. Les deux derniers pourraient prêter leur titre à certains fragments de « Et par endroits, ça fait des nœuds », le livre de Camille Reynaud. Donc, « Mon corps est-il bien à moi ?» un livre paru chez Gallimard Jeunesse, et « Rupture ». Singulier pluriel, paru en 2019. Avant ça, il y avait eu La maladie, catastrophe intime, Violence de la maladie, violence de la vie. Mais c'est un autre ouvrage qui est paru en 2018 dont on va majoritairement parler aujourd'hui, Hors de moi. Et ce livre, Hors de moi, fait partie de la longue bibliographie citée par Camille Reynaud dans son propre livre. Aussi, j'avais envie de vous demander, Camille, si vous acceptez, de nous parler vous, de ce petit livre, Hors de moi, et de nous expliquer peut-être d'abord comment vous l'avez rencontré, et ensuite, pourquoi est-ce qu'il vous a inspiré au point d'en faire un fragment et de citer le travail de Claire Marin dans votre livre. Oui, bien sûr. Alors déjà, en fait, je me suis reconnue dans ce texte. Il fait partie des textes que j'ai lus au fur et à mesure que j'écrivais le mien. Et déjà, il y a ce titre « Hors de moi » qui est à la fois le rapport à la colère, être hors de soi. Et moi, j'ai essayé de transformer ma colère en autre chose dans ce texte. Elle transparaît peut-être parfois, mais pas tant que ça. Et donc, de la transformer. Et en même temps, il y a hors de soi le fait de sortir de son corps, de le regarder de l'extérieur et d'enquêter, en fait, d'enquêter sur... Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon texte, c'était d'enquêter sur mon cerveau. Qu'est-ce qui se passait dedans? Qu'est-ce qui s'était passé dedans? Et tout ce qui se... Tout le micro... Ouais, le microcosme, en fait, qui le contient et qui est venu graviter autour. Et donc, ce texte, voilà, m'avait touché déjà par rapport à son titre, par rapport au sujet de... L'extrait... Enfin, le petit passage dans mon livre... Qui en parle, c'est par rapport à ce sujet neutre. Vous disiez, Claire Marin, que la maladie, voilà, c'était transformer l'individu en sujet neutre. Et dans votre texte, justement, il y a un jeu, mais qui pourrait être universel. Et moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire aussi dans mon livre, c'était de partir de mon expérience personnelle, mais d'aller ailleurs, vers autre chose, et d'en faire de proposer une expérience universelle. Où on me suit dans mon enquête et le lecteur enquête à son tour dans le cerveau, dans le sien. Enfin, voilà. Oui, j'ai oublié de dire d'ailleurs qu'avant de terminer ce livre, vous aviez aussi fait des études en sciences sociales, je crois. Oui. Et on sent ce recours, cette ressource à laquelle vous faites souvent appel dans cette enquête sur vous-même et sur le monde médical dans lequel il vous a projeté. Peut-être, Claire Marin, vous qui avez fait de la maladie un de vos sujets de recherche, quelle lecture avez-vous faite de l'ouvrage de Camille Reynaud ? Moi, j'ai été très impressionnée par la manière dont Camille réussit à s'approprier des références très variées, puisqu'on rencontre des photographes, des artistes, et des références qui vont emprunter à des champs très différents. Et je crois qu'il y a quelque chose là où on se retrouve, Camille et moi, sur l'idée que finalement, il y a... des échos qu'on peut trouver ailleurs, il y a un soutien, un support. Alors moi, je m'étais beaucoup appuyée sur la philosophie et la littérature, mais il y a effectivement des démarches artistiques, des performances qui fonctionnent aussi en écho, en résonance. Et on voit que finalement,
dans cette expérience de la maladie, il y a quelque chose d'assez paradoxal, d'être à la fois très seule, je crois, et très démunie face à quelque chose qui nous tombe dessus. Et puis, dès qu'on commence un peu à chercher autour, de voir à quel point, quelle que soit la pathologie dont on souffre, on va trouver des compagnons de maladie et de solitude à la fois. Et la littérature et l'art, en ce sens, font partie d'une forme de thérapie dont on peut, qu'on peut s'approprier. Il y a à la fois peut-être quelque chose de thérapeutique dans l'écriture, on pourra en discuter, sans doute que ça, c'est pas si simple que ça, mais il y a aussi quelque chose de très soutenant dans tous ces textes, dans toutes ces œuvres, ces performances, et je crois que c'est très très clair dans le livre de Camille, plus encore que dans d'autres, à quel point on va chercher partout autour de nous, et le terme d'enquête que vous employez tout à l'heure est très juste. À la fois on veut comprendre, mais aussi on veut trouver ceux qui sont d'une manière ou d'une autre dans des situations similaires à la nôtre. Oui, parce qu'il y a un passage dans votre texte justement sur le fait de repérer dans la rue les autres personnes malades. Et c'est vrai que, parce que c'est des maladies invisibles, donc moi dans mes amis je me rends compte que dans notre tranche d'âge, 20-30 ans, j'ai quand même plusieurs amis qui ont une maladie auto-immune. Et je ne sais pas si c'est plus fréquent ou juste on en parle plus et donc on s'en rend davantage compte. Et aussi parce que voilà, le sujet m'intéresse. Mais c'est pour ça qu'en lisant, votre livre est sorti en 2008, donc, mais vous aviez à peu près le même âge que moi, ouais, quand on vous a diagnostiqué ça. Et donc on a un peu les mêmes réflexions, je me rends compte. C'est vraiment le même cheminement intellectuel, aussi du fait peut-être de nos études. Ouais. Mais même sur le rapport au corps, le rapport au docteur, enfin au médecin, le rapport aux autres, le regard qu'on a sur soi, le rapport à la langue, puisqu'il y a plein de réflexions aussi sur les mots dans votre texte. Il y a vraiment au début un passage sur l'écriture qu'on perd, enfin la capacité à écrire et à lire, et cette réflexion, enfin c'est une, je pense une majeure partie de mon livre. Et quelqu'un avait dit, je ne sais plus, je crois que c'est dans L'Humanité, une journaliste avait parlé que j'avais fait un texte performatif au fur et à mesure que je l'écrivais. J'ai récupéré voilà, mon langage, mon corps, etc. Et je ne m'en étais pas forcément rendu compte en le faisant, mais c'est vrai que c'est un peu ça aussi que vous faites dans le vôtre. Et... C'est quand même une expérience un peu de dépossession ou de désappropriation de son propre corps. Et dans l'écriture, il y a cette ambition peut-être un peu démesurée, mais de se réconcilier avec et de se le réapproprier autrement. Et vous le dites très bien, à un moment, il n'y a plus de sujet, on est impersonnel, on est un objet, alors sous le regard médical évidemment, mais même pour nous-mêmes, on devient un peu incompréhensible et à distance. Et du coup, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre dans l'écriture, d'une manière de se réapproprier cette chose qui nous échappe, qui nous échappe déjà quand on est en bonne santé, hein, parce que c'est déjà assez compliqué d'être en accord avec son corps, mais encore plus peut-être dans l'expérience de la maladie. Et puis, comme vous l'avez dit, peut-être dans l'expérience de la maladie jeune. C'est-à-dire c'est encore plus bizarre, inattendu, injuste, insupportable. Et il y a ce décalage qui fait qu'on va se retrouver avec des patients qui sont beaucoup plus âgés, et tout le monde nous dit « Ah, mais pourquoi si jeune? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas au bon endroit, etc. » Donc, tous ces éléments, il y avait énormément d'échos, c'était très, très émouvant de les retrouver dans votre livre. Alors, vous avez évoqué beaucoup de sujets que j'espère qu'on aura le temps d'approfondir, mais peut-être la première chose, en préparant la table ronde, je me demandais, est-ce qu'on devrait commencer par parler de la maladie ou bien par parler de l'écriture, en gros par parler du fond ou de la forme. Et puis je me suis dit, mais finalement, ce point de jonction peut-être pourrait nous permettre de démarrer. À quel moment est-ce que vous êtes rendu compte que l'écriture, qui est un acte physique, donc qui est un acte qui vient du corps et qui permet d'utiliser le corps, à quel moment l'écriture vous permettait d'entamer un processus de récupération de votre propre corps, puisque ce que vous racontez toutes les deux dans ces textes, c'est aussi la dépossession de soi quand on est malade, les médecins qui parlent de vous à la troisième personne devant vous, ce corps qui appartient davantage à la science qu'à soi-même. Donc voilà, peut-être à quel moment vraiment l'écriture vous a permis de recoudre peut-être ces morceaux épars de vous-même.
Alors c'est un acte physique, mais en même temps c'est quasiment l'acte physique minimal. Enfin vraiment. Et puis on peut aussi dicter son texte quand on n'arrive plus à l'écrire. Hein, donc c'est une solution que vous évoquez d'ailleurs. Oui, tout à fait, à laquelle j'ai eu recours à certains moments. Donc là, la part physique, elle est assez réduite. Je pense que c'est plutôt symboliquement que se fait cette réappropriation, plutôt que... Il n'y a pas une grande... Enfin si, dans certains cas, il y a une grande fierté à réussir enfin à écrire une ligne. Mais ce n'est pas suffisant, je pense, pour réparer les choses ou se réconcilier avec le corps. Mais il me semble que c'est plutôt, oui, sur le plan symbolique, c'est-à-dire réussir à être créateur et à cesser d'être... Et du coup, on retrouve voilà, l'articulation entre les deux, mais cesser d'être dans une position de passivité, imposer sa propre temporalité, parce que l'écriture, c'est un rythme, là où le corps est très ralenti. Et malgré tout, il reste un rythme imposé par la maladie elle-même. Ne serait-ce que, comme vous l'avez bien évoqué, dans le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la discontinuité dans cette expérience, du désordre, la superposition de temporalités qui sont normalement incompatibles. On a un corps amoindri, vieilli, prématurément vieilli, alors que voilà, on a encore une vingtaine d'années, donc il y a des temporalités impossibles à concilier. Et dans, on a à la fois cette part d'illusion de maîtrise dans le fait de produire le texte, et en même temps un texte qui finit par être rattrapé par l'expérience elle-même. Et vous l'avez très bien dit, Camille, j'ai plus la citation parfaite en tête, mais si mon esprit n'est pas dans la continuité, pourquoi mon récit, lui, devrait l'être? Pourquoi il devrait être linéaire? Je crois que vous employez ce terme. Et je crois que c'est ce qu'on retrouve dans les deux textes, c'est qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du désordre, un peu, mais positivement, hein, où on est en train toujours de chercher des pistes à droite et à gauche, et on n'a pas la pure linéarité de l'histoire, le récit continu. On a quelque chose d'éclaté dans la manière d'écrire, fragmenté comme dans votre texte, et ça dit quelque chose de l'expérience du malade lui-même. Vous dites aussi la forme, enfin vous interrogez, la forme littéraire peut-elle revaçonner l'informe? Oui, parce que pour rebondir sur ce que disait Claire, c'est justement des obstacles quand on écrit physiquement et qu'on n'y arrive plus. Enfin, je veux dire, voilà, j'avais des problèmes visuels, donc à un moment donné, je n'arrivais plus du tout à écrire droit, ça ressemblait vraiment à rien. Et voilà, j'inversais l'ordre des lettres, etc. Et je me suis dit, mais je vais jouer là-dessus. Puisque ce mot ne veut pas s'écrire tel qu'il devrait s'écrire normalement, qu'est-ce que ça me dit? Et après, voilà, j'ai rebondi là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un gros travail sur le langage. Après, naturellement, avant ça, je faisais beaucoup de... J'ai toujours voilà, des rebonds sur les mots, des jeux qui me viennent. Enfin, mais là, c'était conscient, c'est-à-dire que puisque c'était comme ça, j'allais encore plus déformer et voir ce que cette déformation me disait. Et au niveau de la fragmentation, c'est ça aussi. C'est l'électricité, c'est ce que je crois que c'était ça la phrase. C'est l'électricité circule dans mon cerveau d'une manière qui n'est pas linéaire, donc je ne vais pas écrire de manière linéaire. L'idée, c'était vraiment de trouver une forme qui soit adaptée à la fois moi, que je me reconnaisse dedans, que j'y reconnaisse mon cerveau dans toute la complexité de la maladie, des idées, etc. Et en même temps que les gens qui lisent ce livre puissent comprendre autrement que par juste les mots et le fait que moi, je leur dis, voilà, ça se passe comme ça. C'est qu'ils en fassent eux-mêmes l'expérience d'être déstabilisés, d'être perdus à l'intérieur des mots. Face aux mots, et c'est ce qui nous est arrivé. Et voilà, quelle meilleure manière que de finalement d'handicaper le lecteur lui-même à son tour. C'est un petit peu ça la démarche. Et ça donne des passages assez ludiques, assez réjouissants. Par ailleurs, vous avez un outil supplémentaire qui est le fait que vous avez été hospitalisé dans un premier temps en Espagne. Et donc, vous avez tous ces rapports médicaux en espagnol que vous amusez à traduire avec de très jolies réflexions sur aussi le sens de la traduction. Et en fait, cette créativité qui est
qui est très fleurie souvent et qui en fait donne une part extrêmement joyeuse au récit que vous faites, c'est on se rend compte que vous accédez à une matière. D'ailleurs, vous parlez d'une croisade lexicale, je crois. Claire Marin, dans votre livre, vous dites que la maladie a sa grammaire, son vocabulaire, et on se rend compte que vous êtes subitement, vous avez entre les mains une matière qui est nouvelle, un sujet qui est nouveau et avec lequel finalement vous arrivez à composer, en tout cas vous entraînez à composer quelque chose de frais, de neuf. Est-ce que c'est comme ça que vous avez été dans l'écriture ? Oui, alors une de mes premières volontés, c'était, comme vous disiez au début, le sujet est difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des ruptures d'anévrisme ou n'importe quelle autre maladie, puisque vraiment la maladie c'est un état universel. Et quelles que soient les maladies, on se retrouve dans les récits médicaux. Mais je voulais que tout le monde puisse le lire, à la fois des gens malades et des gens qui accompagnent les malades et des gens non malades, sans que ce soit trop lourd. Donc à la fois qu'on puisse s'y retrouver, comprendre, mais sans se retrouver noyé. Parce que lire un récit médical, c'est dur à absorber. Et parfois, il y a une barrière qui se dresse. Et je ne voulais pas ça. Parce que ce livre, il était pour moi, pour me réapproprier mon langage, mon corps. Mais il était aussi... Quand on écrit un livre, on ne l'écrit pas que pour soi. Sinon, on reste dans le journal intime. Parce que c'est beau de dire « Non, j'écris uniquement pour moi. » Mais sinon, on n'essaierait pas de le faire publier. Et donc, il faut qu'il soit accessible pour les autres. Et j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire « J'avais un peu peur de le lire. » Et finalement, c'était pas angoissant. Ça m'a pas angoissée. Au contraire, ça m'a fait rire. J'ai mieux compris. Et donc, pour ces accès de légèreté ou cet humour, il y a à la fois les notes de bas de page qui amènent plein de choses diverses, à la fois des nouveaux niveaux de lecture. Parfois, il y a des notes de bas de page qui expliquent même ce que je suis moi-même en train de faire dans mon livre. Et il y a des notes de bas de page qui sont du pur décalage, qui apportent une note d'humour. Et ensuite, c'est vrai que le compte-rendu médical qui a été lourd pour moi à comprendre, à lire, en écrivant dessus, en le déformant, en travaillant, en jouant, déjà je me le suis réapproprié pleinement et il est devenu autre chose, il est devenu littérature. Et c'était, je pense que c'est un des premiers textes que j'ai écrit, celui qui est, il est à peu près au milieu du livre ou au début milieu, celui de l'Informe de Alta. Je suis partie de là. Enfin, j'ai commencé à travailler là-dessus et je me suis dit, je pense que je vais pas faire que ça, mais c'est un peu au cœur de ma démarche. Et je sais pas trop quelle était, par les intentions que j'ai dites au début, je sais pas si je m'attendais à ce que ça devienne ça, mais finalement dans cet interstice de la traduction, à la fois du terme médical et du terme espagnol, c'est là que j'ai trouvé ma part d'invention première. Et pour ça, quand les gens me demandent en quoi est-ce que c'est une autofiction, parce que on ne peut jamais savoir ce qui relève de l'invention ou de la réalité, sachant que la mémoire, elle est déformée, etc. Mais pour moi, c'est dans cette invention d'un nouveau langage, d'un nouveau récit médical, à l'intérieur du récit médical, que se crée la fiction. Oui, donc ce n'est pas seulement une traduction de l'espagnol vers le français, c'est aussi une traduction d'un événement de votre vie en matière propre, créative. Ça m'a presque fait penser à un exercice oulipien d'une certaine manière. Et qui est surprenant parce que, alors je m'adresse un petit peu à vous en tant que spécialiste du sujet, mais il y a une forme aussi de romantisme mélancolique, parfois autour de la maladie, en tout cas depuis la mélancolie de Dürer. Je pense, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est ce qui est très réussi dans cet ouvrage, et moi ça m'impressionne beaucoup, c'est qu'on puisse trouver, vous avez parlé de légèreté tout à l'heure, en tout cas, il y a une tonalité qui n'est pas du tout triste. C'est à la fois une expérience qui est grave, mais un ton, une écriture qui est très... Alors, j'aime pas trop cette image de combative, mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement dynamique, énergique, curieux, et puis, effectivement, à certains moments, des passages qui sont drôles, et c'est vrai que les notes de bas de page décalées, il y en a plein où on sourit, on rit, et on se... Enfin, moi, j'étais impressionnée de voir qu'on pouvait trouver des ressources dans cette situation, qui est quand même une situation très difficile. Et c'est extrêmement... Enfin, c'est
à mon sens, assez rare. J'ai lu pas mal de récits de maladies ces dernières années. Et je ne me souviens pas de textes qui réussissent comme ça à jongler. C'est un exercice de style très, très réussi et très impressionnant. Et il n'y a jamais de pathos. Et ça aussi, et je ne sais pas si c'était une lutte dans l'écriture ou pas, mais c'est quand même compliqué. Il n'y a pas tellement de colère non plus. Et moi, tout mon exercice pour sabrer le texte, c'était de faire disparaître le pathos et la colère. Et là, c'est très impressionnant de voir cette espèce de jeu un peu d'équilibriste qui fait qu'on reste... Enfin, moi, en tout cas, le texte, je l'ai lu... en une seule fois, comme un, si on, je voulais, enfin voilà, comme presque un page turner sur un texte sur la maladie, c'est quand même pas gagné d'avance. Et l'équilibre, je sais pas comment la construction s'est faite, on a sans doute pas le temps de rentrer dans le détail de l'élaboration du texte, mais il y a un travail d'équilibre qui est très très réussi. Ouais. Si ça vous intrigue, moi aussi ça m'intrigue, donc rentrons dans le détail, c'est pas grave. Alors oui, cette question du pathos, je voulais vraiment pas m'apitoyer sur mon sort. Et ce qui aide, c'est que je l'ai écrit quand même un certain temps après, bon pas non plus 10 ans plus tard, mais donc j'ai fait ma rupture d'anévrisme en juillet 2017, et je suis rentrée dans le master en octobre 2018. Oui, 2018. Donc déjà, il y a un an qui s'est écoulé, plus d'un an. Et aussi, c'est que je me suis défait de ces éléments de pathos en les écrivant d'abord. C'est-à-dire que juste après, à l'hôpital, j'écrivais des choses pour moi. C'était vraiment... Enfin, en les ayant relus après, ça fait un peu de la peine. Mais je pense que c'est important pour soi. Voilà, on se décharge de sa colère, de pourquoi moi, pourquoi... Enfin, voilà. Aussi, après, voilà, j'ai une famille, des amis, donc je leur ai envoyé des messages, on a discuté. Mais il y avait toujours ce besoin. Les gens s'attendaient à ce que je sois forte, que je... en fait, on est censé sortir plus fort de la maladie, on est censé sortir plus grand, plus, voilà, plus mature, relativiser le reste, voilà. Et c'est pas évident. C'est pas vraiment pas évident. Et donc, j'écrivais à côté aussi pour, voilà, tout ce qui me frustrait, en fait, parce qu'il y en avait beaucoup. Et quand j'ai commencé à écrire ce texte, parce que je pensais pas que j'allais écrire un livre là-dessus, je m'y refusais un peu. Et en arrivant dans le master, j'y suis arrivée avec un tout autre projet qui était vraiment sur une enquête en sciences sociales. Enfin, mon idée de mélanger littérature et sciences sociales, mais sur autre chose. Et je me suis rendue compte que j'arrivais pas à écrire sur autre chose que ça. Et donc j'ai repris mes morceaux de journaux intimes, enfin c'est pas vraiment des journaux intimes, mais on va dire mes entrées au jour le jour. Il y avait aussi des notes de lecture, des choses comme ça. Et c'était ça ma matière première, plus les images, etc. Mais donc j'ai transformé plusieurs fois une matière première de niveau zéro de l'expérience de la maladie. Mais en même temps... C'est pour ça que je dis que j'ai fait une enquête en sciences sociales sur moi-même. J'avais mes archives qui ne relevaient pas de la littérature. Enfin, pour moi, ça ne relevait pas de la littérature parce qu'il n'y avait pas de volonté de travailler la langue et de rendre ça accessible à d'autres. C'était vraiment moi qui sortais des choses. Et donc voilà, il y a eu un effort d'éloignement, des efforts successifs d'éloignement. Ensuite, j'ai écrit par fragments, c'est-à-dire qu'à la fois, il y avait dès que je commence à écrire un texte, je suis obsédée par ça, donc je peux faire autre chose à côté, mais je me relève la nuit, j'ai des trucs, il faut que j'écrive, je m'enregistre, le lendemain je note. Et donc j'ai écrit plein de fragments, à la fois des choses qui relevaient de la fiction, qui n'apparaissent pas dans le livre finalement, ou si comme des personnages comme Louisa, enfin, j'ai créé des petits personnages, parfois c'était plus facile de parler d'eux que directement de moi. Et puis par contre la partie rassemblement de tous les fragments pour créer un tout qui soit à la fois cohérent et en même temps pas tout à fait, ça a été assez difficile. Et le texte que j'ai envoyé à ma maison d'édition, sensiblement le contenu est le même, mais l'agencement des passages non, il y a le texte actuel a un meilleur équilibre entre le récit personnel et le récit des autres,
la réflexion, etc. On a enlevé quand même quelques digressions supplémentaires. Mais voilà, c'était difficile et en même temps, c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que j'écris. Donc l'équilibre s'est fait d'un travail mutuel, le mien, celui de Laure Limongi qui m'a suivi pendant le master, celui de mes éditrices et... Voilà. Vous parlez des personnages que vous avez, que vous mettez en scène, qui vous aident à parler de la maladie. Claire Marin, vous dites, je crois, ou alors c'est Camille qui vous cite, vous dites la maladie révèle la multiplicité des identités et recourir à la fiction dans l'écriture de sa maladie permet d'en devenir un personnage pour explorer d'autres possibles de soi. Vous reconnaissez ? Je ne dis pas de bêtises. J'aurais pu le dire, mais... Je crois que c'est dans mon livre et c'est quand je parle de votre... Ouais, c'est ça. En tout cas, dans votre livre, vous dites « nous ». Souvent, vous utilisez le pronom « nous » pour parler, j'en ai conclu, de vous et la maladie, de la coexistence de la maladie avec votre corps, ou alors d'autres choses, peut-être. Et Camille Renaud, vous avez commencé à écrire ce livre à la troisième personne, je crois. Et je voulais savoir justement comment est-ce que on se diffracte en fait dans l'épreuve de la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas une sensation de diffraction de soi-même et du corps entre l'hôpital, entre le monde de l'hôpital, entre le monde des proches, entre ce que les gens attendent de nous, entre la manière dont on se sent à l'intérieur et ce qu'on n'arrive pas à donner et comment est-ce que le livre permet de se rassembler? C'est vrai que ça fait émerger des personnalités multiples. Je crois, Camille, que vous parlez de dissociation à un moment. D'abord, pour se protéger un peu de ce qui nous arrive et mettre l'expérience à distance. Et puis, on devient le patient de la chambre 13. On devient quelqu'un de différent dans sa famille. Ça aussi, vous le dites très bien, notamment dans la relation avec les amis, quand vous évoquez cet ami qui est hypersomniaque, enfin qui souffre d'une pathologie du sommeil, on est altéré dans tous les sens du terme par la maladie et on devient parfois quelqu'un qu'on n'aime pas en fait. C'est ça aussi qui devient irritable, colérique. Et vous dites à un moment... il faut beaucoup d'amour pour aimer quelqu'un de malade. Et c'est tellement vrai, tellement juste. C'est effectivement très compliqué d'être, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais à la hauteur de la personne qu'on aimerait être pour les autres. Parce qu'on a déjà du mal à se tenir soi-même, si on peut dire. Après, on apprend aussi à être, entre guillemets, un bon patient. On apprend... à dissimuler, parce que c'est quand même la meilleure manière de vivre des pathologies dont on a la chance qu'elles soient relativement invisibles. Et tout ça, ça fait beaucoup de personnes à concilier en soi. Donc il y a effectivement une démultiplication. L'aspect positif, c'est peut dire aussi peut-être qu'il y a une libération, donc on ne devient pas plus fort. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on devienne meilleur, plus fort. J'y crois pas du tout. Mais peut-être qu'on se libère de certains cadres ou certaines injonctions ou d'un chemin qui était tout tracé, dont on se rend compte que finalement, si on doit vivre plus vite, parce qu'on ne sait pas, tout est un peu en suspens. Alors on ne veut pas perdre de nouveau son temps à faire ce type d'exercice, exercer ce type de fonction, avoir ce type de rapport aux autres. Donc il y a un élagage un peu brutal qui s'opère, je crois. Et il y a aussi une forme d'exaltation dans la maladie, de conscience que ça fait vivre quelque part un petit peu plus fort. Je crois que c'est ce dont avait témoigné notamment Éric Reynard dans La Chambre des Époux quand il fait le récit du cancer de son épouse, ou ce que disaient aussi beaucoup les médecins qui avaient travaillé au début de l'épidémie du sida avec les malades qui se savaient condamnés, que en fait la perspective...
Et je crois que c'est vous qui dites dans votre livre « La vie reste discrète quand l'existence va de soi et quand l'existence ne va pas de soi, tout d'un coup les jours se chargent d'une exaltation ». Alors j'imagine en Dancy avec ces moments de désespoir, mais est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez connu, c'est-à-dire de passer d'un abattement à une forme de... Je crois même que vous dites vous parlez de passion pour sa propre pathologie et pour la douleur, bien sûr. Il y avait un jeu sur ce terme de passion. Mais je crois qu'il y a cette idée, effectivement, que quand il y a des moments où on va suffisamment bien, je pense qu'on les investit très intensément. Et à un moment, Camille, vous dites « je ne veux pas passer à côté de ma vie, je prends des risques », mais et vous racontez quelques anecdotes comme ça où sans doute c'était effectivement un peu trop risqué. Mais à l'inverse, on est entouré d'injonctions à être prudent, à pas trop forcer, et c'est insupportable. Et donc on est pris entre ces deux pôles. Et vous avez évoqué l'image des dents de scie, et je crois que c'est pour certaines pathologies en particulier, pour les maladies chroniques, il y a des bons jours et il y a des mauvais jours, on ne peut pas savoir. Donc quand c'est un bon jour, ça peut être un jour très intense en termes de relations, de sorties, de densité de travail, d'investissement, de projets, etc. Et puis le lendemain, on se dit, mais pourquoi j'ai accepté tout ça? Je suis incapable de le faire. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une totale... incohérence ou inconstance de notre existence, mais c'est comme ça. Et donc, il y a ce Dante, ça dit bien les choses. Ouais. Oui, il y a cette espèce de comparaison qu'on retrouve dans des livres sur la maladie, la comparaison entre le malade et le prisonnier ou le condamné à mort. En fait, c'est cette impression de sursis. Et enfin, moi, je parlais de Fringis Carinthy dans mon livre qui parle justement de ça, de cette impression d'être coupable. Et donc après, il y avait cette idée d'être coupé en deux. Enfin, voilà, et dans votre livre aussi, il y a cette idée de coupure à un moment donné, du coupure du corps. Et c'est pour ça, par rapport aux identités multiples. En fait, notre corps est coupé, réellement ou pas. Mais en tout cas, voilà, nous, on est au moins coupé en deux, entre cette image qu'on renvoie aux autres, cette image qu'on ressent de soi. Et oui, toutes ces émotions, moi je sais que votre livre, je l'avais utilisé aussi, j'avais envoyé des pages très récemment à ma maman par exemple, parce que voilà, c'est dur pour un parent d'avoir son enfant qui est malade, sauf que c'est dur de retrouver son autonomie quand on est malade, encore plus quand on est l'enfant de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, parce qu'après, on s'énerve. Moi, je me sens coupable de m'être énervée, parce que je sais que c'est juste des gens qui veulent prendre soin de moi. Et en même temps, voilà, on a besoin de retrouver des parts d'autonomie. Et c'est pour ça que écrire ce livre m'a permis aussi de retrouver vraiment mon autonomie, enfin l'autonomie au moins de mon histoire et de ce que je voulais en faire. Et par rapport à ce que vous disiez, Claire, sur effectivement, on fait des choix... des choix vis-à-vis voilà, de sa profession, vis-à-vis de ce qu'on a envie de vivre à partir de là. Et moi, c'est ce qui m'a amené à l'écriture. J'en ai fait le choix. Et c'est aussi pour ça que j'avais lu votre livre dans un premier temps. C'était que vous étiez quelqu'un qui était philosophe, enfin, d'un cursus académique. Voilà, et moi, je faisais de la sociologie et je n'arrivais pas à comprendre juste avec ça. Et donc, il fallait passer par autre chose, recourir à une autre forme d'enquête. Et je me suis un peu perdue parce que... Non, mais ça me donne envie de rebondir. Vous dites que la philosophie ne vous aide aucun recours. Je suis très ingrate avec la philosophie qui m'a tant donné. Mais c'était une grande frustration pour moi de ne pas réussir à trouver d'éléments soutenants dans les textes philosophiques où la maladie est souvent une métaphore du mal, du négatif. Et voilà, et après on s'en sort parce qu'on dépasse nécessairement le négatif. Alors que dans la littérature, je retrouvais des phrases que j'aurais pu prononcer moi-même, des situations qui étaient très familières, y compris si elles renvoyaient à des époques très différentes. Enfin, il y avait vraiment des compagnons, et on pense toujours qu'il faut réparer le malheur par de la joie, mais je crois que ça m'a fait beaucoup de bien, moi, quand j'étais pas très en forme, de lire tous ces textes où d'autres avaient traversé des situations
situations de maladie, à des époques, dans des lieux, dans des situations différentes, mais où je retrouvais des choses très familières. Et la philosophie ne m'a pas donné les instruments que j'aurais espéré trouver en parce elle. Parce que trop théorique ? Oui, et puis parce que, tout simplement, je crois que l'expérience, le vécu concret du malade n'est pas pensé. Ça fait partie des impensés de la philosophie. On n'a pas pensé ce que c'était que d'être une femme, d'avoir un corps féminin, de donner naissance, etc. Il y a beaucoup de choses que les philosophes, qui étaient majoritairement des hommes, n'ont pas voulu penser. Alors, il y a quand même des textes de philosophes sur la maladie. On a quand même, chez Nietzsche, par exemple, ou chez Montaigne, des ressources. Mais pour moi, la philosophie ne m'offrait pas ce que la littérature était capable d'offrir comme soutien, comme image, comme récit, où je pouvais trouver une expérience partagée. Vous avez... Pardon. Non, en fait, parce que ce que vient de dire Claire m'a fait renouer avec la question de départ qui était sur le jeu Il, Elle, Tu. J'ai pas commencé mon texte sur de la troisième personne. Par contre, oui, les premiers textes que j'avais écrits, c'était cette sorte de nouvelle. Je crois que j'en mentionne une qui n'apparaît pas telle quelle dans le livre. Et j'avais construit un personnage, mais j'y projetais mes frustrations. Voilà. Mais par contre, cette idée de se retrouver dans les textes des autres, ça c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a des passages au « tu », par exemple. Ce n'est pas un « tu » qui s'adresse au lecteur, c'est un « tu » où je me parle à moi-même. Mais... Parce que voilà, il y a aussi parfois ces phénomènes de dissociation, ces phénomènes de colère où on s'en veut d'être tel qu'on est là. Et donc on s'adresse à soi-même parce qu'on s'éloigne. On se dit non, je ne veux. Voilà. Et donc il y a ces allers-retours entre le je, le tu, le elle qu'on nous appose. Le fait aussi d'utiliser, d'avoir recours à d'autres pour parler de soi. Hein, parce que je pense que la plupart des amis que je convoque dedans, c'est parce que voilà, des amis ou des personnages, c'est parce que c'est peut-être qu'ils le diront mieux, parce que c'est plus spécifique, plus précis, et en même temps, le fait que parfois on se détache de la narratrice principale qui est moi, ça aide les autres aussi à s'identifier. Et c'est... Et puis aussi, de cette prise de distance vous permet aussi de vous éloigner de ce corps physique qui est immobilisé. Vous citez Mathias Malzieu à un moment qui se dit menotté, cadenassé à sa perfusion. Et on sent aussi la colère et la rage d'être physiquement prisonnier d'un cadre. Et d'ailleurs, quand on a commencé cette rencontre, vous dites que la maladie, c'est un sujet qui concerne tout le monde et en même temps qui... j'ai l'impression, n'intéresse pas tellement tant qu'on n'y est pas directement confronté. C'est plutôt des choses qu'on a envie de garder à distance et de se dire que ça viendra peut-être en son heure et qu'on ne va pas anticiper. Et pourtant, quand vous rentrez dans le monde hospitalier, on se rend compte, c'est presque un outre-monde, en fait. Vous parlez d'une cité, je crois, à l'intérieur, une vraie petite cité. Vous décrivez longuement cet hôpital et cette brochure surréaliste de cet hôpital... espagnol, où les gens viennent faire du tourisme médical, et on se rend compte qu'en fait le monde des malades est un monde en réseau qui est extrêmement vaste et étendu, dans lequel vous allez très vite vous repérer et construire vous-même votre propre toile en naviguant un petit peu d'une référence à l'autre. Et donc c'est comme presque un sous-monde qui est à fleur de terre, j'ai envie de dire, et une fois qu'on y pénètre, on se rend compte à quel point il vit à son propre rythme. Et d'ailleurs, souvent, quand on a un proche ou soi-même, quand on est dans un monde hospitalier, on se rend compte qu'on est complètement déconnecté. Et c'est presque, je me disais, comme matière littéraire, c'est presque une matière à fiction, comme un monde imaginaire. Oui, en fait. Un peu dystopique aussi. Oui, un peu dystopique, oui, c'est ça. Oui, parce que, d'autant plus en ce moment, parce que je suis retournée à l'hôpital la semaine dernière, et en ce moment, avec le Covid, personne ne peut accéder à l'extérieur à moins d'être hospitalisé ou de venir pour une consultation. Donc à chaque nouveau service, il faut appeler un numéro. Une infirmière vient, prend, vérifie si c'est bien nous, et nous ouvre les portes, donc on peut accéder au couloir d'après. Donc ça fait vraiment forteresse. Il n'y a personne dans les couloirs parce qu'on n'a pas le droit de sortir de sa chambre. Et c'est un univers vraiment particulier.
Moi, j'ai vraiment eu de la chance. Je ne sais pas si c'est le sud de la France qui fait ça, ou l'Espagne, ou si c'est mon âge. Mais vraiment, je suis toujours tombée sur des services très chaleureux, vraiment très humains. Et même s'il y a des expériences toujours... Puis on a notre sensibilité. Donc parfois, la personne en face de nous, évidemment, est fatiguée ou que sais-je. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai eu de la chance pour ça. Et même là, en temps de Covid, où ça peut être déstabilisant... Et on est seul à l'hôpital. J'avais un petit peu peur et finalement j'ai partagé ma chambre avec deux personnes et que j'ai vu sans masque. C'était un peu bizarre de faire des rencontres sans masque. Et donc voilà, c'est à la fois un îlot où on est et en même temps, ouais, comme je disais, c'est un microcosme. C'est, je sais pas, s'ils reproduisent les mêmes interactions, mais peut-être à la fois plus protégés et plus, je saurais pas dire. Mais c'est un monde de personnages aussi. Mmh. Vous parlez des patients, vous êtes hospitalisée à Bichat un moment, à l'hôpital Bichat dans le 18e arrondissement. Vous parlez aussi des, même les médecins deviennent des personnages en fait. On a tout de suite, on rentre dans une forme d'intimité avec les gens qu'on n'a pas du tout dans la vie réelle. Donc ça crée aussi des relations extraordinaires en quelque sorte. Ça crée des relations intenses, pas toujours extraordinaires. Moi, j'ai eu des expériences plus négatives. Je ne sais pas si c'est les hôpitaux parisiens, pour le coup, ou pas. Mais c'est vrai que la relation est sans doute investie d'une manière exagérée. Et du coup, il suffit de peu de choses pour que la déception soit énorme, ou au contraire, qu'on ressente un sentiment de dette infinie à l'égard d'un soignant qui, ce jour-là, aurait été particulièrement patient, attentif, etc. Et tout est un peu comme ça, exacerbé par la situation de vulnérabilité, quand même, qui est la nôtre, hein, par le fait qu'on puisse avoir l'impression d'être... plus vraiment nous-mêmes, et puis par tous les enjeux, parce qu'il y a des enjeux sur la suite de la vie, ce qu'on sera capable de faire, est-ce qu'on pourra continuer nos études, avoir un métier, est-ce qu'on pourra marcher, être autonome, est-ce qu'on pourra avoir des enfants, etc. Donc tous ces éléments-là font que peut-être en particulier quand on tombe malade jeune, il y a tellement d'enjeux derrière un diagnostic que... Alors je pense qu'un diagnostic n'est jamais un simple diagnostic, mais il veut dire toujours infiniment plus pour le malade que pour celui qui l'énonce. En particulier quand on laisse la tâche à un jeune étudiant en médecine qui dit un truc qui pour le patient a une résonance énorme. Et qui, voilà, il y a plein de situations qui font que les choses parfois se passent de manière douloureuse. Mais c'est dans tous les cas effectivement surinvesti, je pense. Et ça crée des personnages parce qu'en fait, c'est des gens qu'on croise très ponctuellement. Alors ça peut être sur... Voilà, je suis restée à l'hôpital presque un mois, donc oui, je voyais les mêmes personnes régulièrement. Mais par exemple, voilà, si on est hospitalisé deux jours, on va voir le service de nuit, le service de jour. Donc ça va déjà faire une tripotée d'infirmières, infirmiers, aides-soignantes. Avec le Covid, les personnes qui viennent faire le ménage dès qu'un nouveau patient rentre ou sort. Les docteurs, c'est pareil. On voit jamais, on sait jamais à l'avance qui on va voir. On est suivi par, moi, je suis suivie par une équipe de chirurgiens. Et finalement, c'est pas forcément les mêmes qui s'occupent de moi d'une fois à l'autre. Donc, on les voit très peu. C'est très important. Voilà, ce moment d'échange, il est intense, mais en même temps, il est court. Donc, on peut y projeter vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que j'en parle beaucoup des soignants dans mon livre, mais ils ont pas forcément. Alors, certains ont des prénoms, certains, je ne m'en souvenais plus, donc j'en ai inventé. Et on peut créer des personnages, voilà, qui évoluent comme ça autour de nous, sur lesquels on projette beaucoup de choses. Eux aussi nous voient sur le moment, ils ont notre fiche. Et encore, on ne sait pas trop ce qu'ils savent de nous, parce que souvent, ils nous redemandent le nombre de fois où on répète qui nous sommes. Parcours médical. C'est votre homonyme Claire, voilà, votre homonyme avec un lourd passé de drogue. Et moi, par exemple, c'est pas un homonyme, mais là, récemment, j'ai été hospitalisée. Et au moment de l'anesthésie, l'anesthésiste regarde ma feuille, elle regarde son collègue, elle me regarde, elle me demande de répéter mon poids et ma taille. Et en fait, sur la feuille, les deux avaient été inversés. Donc, je pesais 175 kg pour 57 cm.
ce qui était, voilà, je pense que je ne me serais pas réveillée si elle n'avait pas... mais donc parfois, même soi, on devient une espèce de monstre, voilà, fantasmé, un truc, enfin, une nouvelle identité qui nous est projetée, et voilà. C'est un lieu, oui, de fantômes, de fantasmes, dans tous les sens. En tout cas, la maladie, enfin, en tout cas, votre expérience vous donne l'occasion de brasser des sujets extrêmement larges, comme la qualité des trains couchettes en France, des questions que vous abordez d'un point de vue féministe, vous comparez des IRM à des cartographies des deux hémisphères. En tout cas, des réflexions sur le tourisme médical, sur la traduction en soi. Et je me disais, à vous lire, que en fait, la maladie en soi, en tout cas l'expérience de la maladie, était une porte d'accès à une certaine vision du monde, presque un angle, pour parler en termes journalistiques, une manière d'aborder la réalité du monde et l'expérience de la vie d'une manière inédite, surtout à votre âge, en fait, puisque c'est ça qui est quand même exceptionnel, c'est de connaître cette maladie, enfin, de vivre cette expérience médicale à cet âge-là, et tout ce que ça vous ouvre à l'avenir. Est-ce que vous seriez peut-être toutes les deux d'accord pour dire que la maladie, c'est une expérience de la vie un tout petit peu en décalé, malgré son universalité? Ça crée effectivement des décalages presque en cascade, où les choses évidemment ne peuvent plus être regardées de la même manière. Les relations sont transformées. Et alors, soit on peut le vivre comme une forme de marginalisation, soit effectivement on accepte dans le fait d'être déplacé. Une expérience un peu différente, mais je voudrais pas non plus trop idéaliser cet effet-là, parce que c'est quand même, j'ai l'impression, ça reste majoritairement douloureux, et qu'on est quand même très content, enfin, je parle pour moi en tout cas, mais de revenir dans la norme, dans la vie des autres, dans tout ce qu'elle peut avoir aussi, de calme, de tranquille, d'un petit peu prévisible. Donc il y a un effet de décalage qu'on peut investir, qui peut être créateur, mais il y a aussi beaucoup de cette violence de la marginalisation et de cet effort douloureux qu'on fait pour revenir le plus près possible de la norme, de l'autonomie, de l'indépendance, qui compte beaucoup quand même. D'ailleurs, c'est des passages très beaux de votre livre, je trouve, Claire Marin, ces moments où vous racontez justement le retour du désir qu'on porte sur le monde, sur les autres, et aussi que le monde porte sur vous, quand vous n'êtes plus juste un sujet souffrant, mais que d'un coup, dans la rue, voilà, vous recommencez à exister pour ce que vous êtes, et non pas seulement à travers la maladie, cette espèce de printemps fulgurant. Oui, il y a quelque chose comme avoir été invisible, ou alors, effectivement, avoir été dans ce monde très fermé et très décalé qui est le monde de l'hôpital. Et puis, c'est comme si on reprenait un peu, on passe de fantôme à un être un peu plus incarné, avec une sensibilité qui n'est plus seulement une sensibilité douloureuse. Et effectivement, avec de nouveau l'envie de manger, de courir, d'aimer, d'être aimé, etc. Il y a quelque chose comme un réinvestissement plus joyeux et plus intense, comme on disait tout à l'heure, du monde et des relations. Et moi, c'est pas le contraire, mais au contraire, j'ai eu l'impression d'être trop vue, trop visible, trop... Voilà, il y a des passages justement sur ça, sur le fait d'être un objet du regard des autres, trop. Et donc c'est pour ça que ça change, bien sûr la maladie change le rapport au monde, puisque ça modifie les interactions, enfin tout un tas de petites choses. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de passer de vue à regardante, en fait. Et donc il y a plein de passages, en fait, qui, comme vous disiez, sur la société, sur en fait, des rapports. Mon rapport social au monde, il était déjà comme ça. Il a été un peu modifié par la maladie, mais c'est surtout que, en étant malade, voilà, je décide de regarder encore plus ce qu'il y a autour de moi, le monde, et je l'écris, voilà, je l'écris comme ça, c'est-à-dire que je m'extirpe de la scène sur laquelle, voilà, on me pose en tant que
que sujet malade, et je me promène là-dedans. Donc ça change le prisme de vision, mais c'est surtout que j'ai choisi de regarder encore davantage ce qu'il y avait autour de moi. Et je saurais pas dire en fait si c'est vraiment la maladie, parce que de base, si par exemple ça m'a remise à la photographie, c'est très important. Je faisais de la photographie comme n'importe qui a un appareil, c'est-à-dire que je partais en vacances, je le prenais. Mais là, ça m'a vraiment fait regarder avec beaucoup plus d'acuité les autres. Et oui, après, la maladie s'infuse partout, donc c'est sûr que c'était ma volonté aussi, en partant un petit peu de tous les côtés. C'est des sujets dont j'avais envie de parler, mais j'ai essayé de ne pas le faire artificiellement, c'est-à-dire qu'il y a des liens avec tout. Les aspects féministes, parce que voilà, je suis une jeune femme, j'ai un corps féminin. Il y a plein d'aspects médicaux qui rejoignent ce qu'on disait sur la sidération, le fait d'être coupé en deux, toute la question du viol, des choses comme ça. Pour moi, c'était lié et j'aurais pu ne pas en parler du tout. Les règles. Les règles. Très intéressant sur les règles. Oui, puisqu'on n'y pense pas, mais en fait, quand... bon, déjà là, c'était lié au sang dans le cerveau, au saignement. Mais quand on est hospitalisé et qu'on a ces règles, en plus du reste... Voilà, il y a ça. Et on se retrouve avec des couches, des trucs de post-accouchement, alors que... et c'est compliqué quand on est immobilisé dans un lit et qu'en plus du reste, les infirmières doivent nous changer nos serviettes hygiéniques. C'est des choses, on n'y pense pas, mais en fait, ça fait partie du corps. Et donc voilà, j'en ai parlé parce que ça pouvait aussi être de nouveaux liens qui permettent aux gens de s'identifier, parce que s'ils ne s'identifient pas au corps malade, une femme va s'identifier au corps qui saigne, tout simplement. Et après, c'est ma méthode de réflexion, hein. Comme je le disais tout à l'heure, je fais des liens constamment et je me dis pourquoi pas les proposer aux autres. C'est un livre en rhizome, c'est vrai, ça arrive d'une certaine manière. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être revenu sous la lumière et de vous donner à voir en tant que sujet non plus souffrant, mais sujet écrivant. C'est vrai que vous êtes aussi une excellente photographe et vos photos sont visibles sur votre site internet. Je suis allée les voir, elles sont magnifiques. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne continuation en écriture. On vous attend, on vous espère, on se réjouit de la suite. Merci beaucoup. Camille Reynaud, je rappelle que Et par endroits, ça fait des nœuds est paru aux éditions Autrement en janvier, n'est-ce pas, le 13 janvier, je crois. Claire Marin, merci à vous. Merci. Je rappelle que Hors de moi est un de vos quelques ouvrages. Il est paru aux éditions Alia, mais que votre dernier essai Rupture est paru aux éditions de l'Observatoire en 2019. Merci beaucoup pour votre présence. Vous. On compte sur vous pour tous les impensés féminins de la philosophie. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivi, écouté, ça y est, j'en ai plus besoin. Suivi et écouté, bonne suite de festival et bonne journée.